Nicolas, on est ici sur un endroit qui est symbolique pour toi, donc c'est la Tour Bourbon. C'est ici que Baudouin est presque né, quoi, je veux dire. Donc. Ouais, c'est pas ici qu'il est né, mais c'est ici que lui a fait naître la ville d'art, en tout cas. Donc ouais, c'est un endroit qu'on connaît très bien. C'est toujours notre point de ralliement quand on fait quelque chose. C'est ici qu'il a été inauguré. Donc tout ce qu'on fait, on essaie de le rattacher toujours à la Tour, à l'histoire, et etc. Tu peux dire en quelques lignes comment l'idée d'avoir créé Baudouin 4 ? L'idée, elle est simple, c'est qu'il y a 10 ans, on avait envie, avec quelques camarades, de créer notre propre géant. On aimait tous assez bien l'histoire, donc en cherchant dans ce qui avait déjà été fait ou non en termes de géant à hâte, on s'est rendu compte que le personnage du fondateur de la ville n'avait pas encore été gentifié. Donc voilà, le personnage était alors tout trouvé. En créant une future épouse à Baudouin 4, est-ce que Alix a joué un rôle important auprès de Baudouin 4 ? Conduis-nous. Dans les écrits, on ne le sait jamais trop. Totalement, ça a toujours été ce que les seigneurs faisaient, ce qu'ils en retiraient. Mais de par l'histoire, on sait que les femmes ont toujours eu un rôle important au Moyen-Âge. Contrairement à ce qu'on avait reçu, que la femme était, entre guillemets, rabaissée au Moyen-Âge. Non, elle avait un rôle certain. Quand les seigneurs partaient en guerroyer, comme on dit, c'est elle qui tenait un peu la boutique, comme on dit. Et donc, assurément que quand Baudouin est parti essayer de conquérir des territoires à gauche, à droite, c'est elle qui tenait les rênes de son comté. Donc, elle a sûrement eu beaucoup d'importance aussi à l'époque. Comme toutes les femmes aujourd'hui. Oui. C'est vrai. À cette époque, je veux dire, dès qu'on avait une épouse, on se mariait. Et on sait qu'Alix est arrivé en 2018 à côté de Baudouin. Pourquoi avoir attendu si longtemps de les marier? Pour les marier, c'est comme dans tout projet, on apporte l'idée arrive, l'idée elle germe. Au départ, on avait en tête de faire une fête anniversaire pour Baudouin, donc c'est 10 ans. Et puis on cherche toujours quand même à faire un peu ce que les autres ne font pas toujours. Et le but, c'est de diversifier ce que nous, en tant qu'association, on propose à la population. Et l'idée du mariage est tombée sûrement en réunion bien avant le Covid, même encore. Et donc on a commencé à travailler là-dessus. Et puis est venue l'idée de transformer cet anniversaire en fiançailles, puis mariage. Et puis grâce à un échange étranger qu'on a pu avoir, on a aussi le voyage de noces, ce qui nous permet de leur offrir le triptyque complet que tout marié a dans sa vie humaine, on va dire. Justement, on revient sur la fête. Comment va se dérouler le mariage de Baudouin 4 et Alix? Donc le mariage va commencer demain, vendredi, avec l'accueil officiel des invités d'honneur. C'est un couple de gens catalans qui vient ici pour le week-end, à l'occasion du mariage. Donc ce sera une soirée ambiance catalane qui sera dédiée, où eux seuls seront les stars, nous on ne sera pas de sortie, ce seront les seuls géants de sortie. Et puis samedi, ce sera le mariage proprement dit, où le matin il y aura la cérémonie de mariage, la célébration, un peu comme tout marié, avec un premier cortège qui arrive, une cérémonie qui sera présidée par le curé Nice. Il y aura des alliances qui seront là, bénédiction des alliances, là. Le même schéma que pour des vrais mariés. Et l'après-midi, là, ce seront tous les invités de la cour, si on veut parler historiquement, qui seront là. Donc, dans ce grand cortège historique qui va rassembler une vingtaine de géants et 6 groupes historiques venus d'un peu partout en Belgique, de France et beaucoup d'Espagne aussi. Et la journée se terminera, comme dans tout mariage, à nouveau, par le bal des mariés. Donc, une soirée qui se fera ici dans la cour du château, avec un orchestre qui viendra jouer des airs. Les géants seront présents au bal des mariés? Oui. Tous les géants? Non, pas pour des problèmes entre guillemets d'infrastructure. On est limité ici, on l'a vu au mois d'avril, avec 8 géants, c'est-à-dire full. Ici 24, c'est impossible de les mettre. Donc les géants resteront exposés dans la rue du gouvernement. Ils feront une haie d'honneur aux mariés qui arriveront les derniers du cortège. Et au soir, il n'y aura que le couple catalan et nos géants qui seront présents pour le bal. En général, bien sûr, c'est toujours copié, tu vas me dire, mais à se marier, il brûle sa marronne. Baudouin, on n'a pas brûlé les marrons de Baudouin. On n'y a pas pensé. On y a pensé. Puis on a pensé aussi le faire plutôt en privé pour faire une petite réunion entre nous avant. Et puis non, on a déjà assez de choses à faire comme ça. On va pas le faire. On va pas le faire finalement. On va clôturer cette interview avec toi, Nico.
Avec une dernière question. Est-ce que Baudouin IV et Alix auront-ils des enfants? Car on sait que le couple Baudouin-Alix ont eu des enfants, dont Baudouin, qu'on appelait Baudouin le Courageux, et aussi Baudouin V. Donc, est-ce que vous pensez à faire un enfant à Baudouin et à Alix? On va dire, on va jamais dire jamais, hein, mais l'idée est déjà revenue deux, trois fois, parfois dans l'équipe, mais non. Là, en tout cas, dans un avenir plus ou moins proche, en tout cas, non, c'est pas prévu. C'est un nom définitif ou un nom peut-être? C'est quasiment définitif. C'est beaucoup de gestion. Là, on est prêt, il faut des transports pendant cette poubelle, hein, mais la remorque est affûtée pour deux géants. Si on en met un petit, comment on va le transporter? Qui va le porter? On n'a pas assez d'enfants dans notre groupe même que pour assurer ça. Grossir le groupe à l'extérieur ou quoi? Non, pour l'instant, c'est pas prévu là. Avec le recul, on va continuer comme ça, avec le recul, tu es content d'avoir créé ce géant? Et, enfin, monsieur et madame Baudouin et Alix, donc, Duhesneau. Duhesneau, donc, du comte Duhesneau. Ouais, non, on est tous très fiers de ce qu'on arrive à faire. C'est un travail d'équipe avant tout. Si j'avais pas l'équipe derrière moi, je fais rien tout seul, hein, donc c'est toujours un travail d'équipe. On a la chance d'avoir une équipe soudée, on est plus ou moins tous dans le même délire. Donc quand on propose une idée, souvent les idées se rejoignent. Donc non, on est très fiers de ce qu'on arrive à faire. On sait combien c'est difficile de créer un géant à l'heure actuelle. On sait combien c'est dur de pérenniser cette création. Plusieurs géants de groupe ont du mal à trouver des porteurs, par exemple. J'ai la chance que mon équipe est souvent au complet et qu'on n'a pas ce problème-là. On a la chance d'avoir des belles prestations. Donc voilà, tout ça, c'est aussi un travail. Comme l'esthétique des géants, c'est un travail de 10 années qui se poursuit d'année en année. Mais voilà, non, on est quand même très fiers de ce qu'on arrive à faire et de l'engouement que tout ça génère. On a oublié d'en parler, mais samedi à 17 h, c'est le grand cortège, Ouais. mais on ne retrouvera que des géants historiques. Ouais, historique dans deux points. C'est soit des géants plus ou moins récents qui représenteront des personnages historiques, comme par exemple le géant Philippe le Bon de Bruxelles, qui a été créé dans la fin des années 80, mais il représente un personnage historique, lié entre autres à Hal, parce qu'il a, pour petite histoire, créé l'hôpital de la Madeleine à l'époque. Et puis il y aura des géants plus symboliques, mais des très vieux géants, comme l'Argaillon de Nivelles, qui s'appelait à l'époque Goliath, qui n'est pas historique en soi, mais qui est très très vieux. Il est attesté depuis le début du 14e siècle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y aura deux points, soit des géants très très vieux, soit des géants qui représentent des personnages et ont Ce réellement sera existé. peut-être la seule fois où on verra des géants qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement, quoi. La seule fois, bah, ça dépend un peu aussi des autres fêtes, ce qu'ils veulent inviter comme type de géant. Mais en tout cas, c'est une marque de fabrique qu'on a, c'est de jouer sur l'histoire à fond. On ne voulait pas non plus avoir les mêmes géants que ce que les autres ont, pour proposer à la population aussi autre chose, montrer qu'il y a d'autres choses que les géants du coin, qu'il y a aussi des géants différents, construits différemment, portés différemment. Donc, mais après non, si d'autres sociétés décident d'inviter ces géants-là particuliers pour leur fête, tant mieux, au moins ça diversifie et ça les fait vivre aussi un petit peu plus. Bon, je te remercie, Nicolas. Voilà.